Après la confrontation tumultueuse, mais infructueuse avec le Sanhédrin, Paul est donc toujours en prison. Si vous vous demandez pourquoi, moi aussi. En même temps, sommes-nous tellement plus avancés quand il s'agit d'intégrer la présomption d'innocence dans les pratiques de nos corps policiers et juridiques, sans parler de la presse et de l'opinion publique? Cette nuit, dans son rêve, le Seigneur apparaît à Paul et lui dit « Paul, il faut que tu sois courageux maintenant, parce que je vais te confier une grande mission. Tu m'as rendu témoignage devant le peuple de Jérusalem et devant le Sanhédrin. Maintenant, je t'envoie pour témoigner à Rome. » Au même moment, dans une maison de la ville, se tient une réunion conspiratrice. Ils sont plus de 40 à s'engager en proférant des malédictions contre eux-mêmes si jamais ils violent cet engagement, à ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Autant dire qu'ils vont agir vite. Puis, ils font savoir aux prêtres qu'ils ont pris cet engagement. Il n'y a aucun risque que les prêtres les vendent aux Romains. Et surtout, ils ont besoin de l'autorité du temple pour faire bouger les choses. « Il faut que le Sanhédrin demande à examiner l'affaire Paul, disent-ils, et surtout que le Sanhédrin demande à l'entendre en personne. Donc, convoquez-le pour demain et faites-le savoir au commandant romain qu'il vous transfère Paul. Et nous, de notre côté, nous mettrons tout en place pour qu'il ne vous arrive pas. Au moins, qu'il ne vous arrive pas vivant. » Ah, les coquins. Mais... il y a un adolescent, au premier poil sur la lèvre, qui, en passant par là, a tout entendu. Et cerise sur le gâteau, ce garçon, ce n'est pas n'importe quel garçon. En effet, Paul est son oncle, le frère de sa mère. Comme ce jeune homme a la tête bien sur les épaules, il comprend ce qui se passe. Et sans perdre de temps, il court vers la citadelle pour avertir son tonton. Or, c'est peut-être surprenant pour nous qui connaissons les maisons d'arrêt bien gardées, mais c'est aucun problème pour ce jeune homme d'aller voir son oncle, qui peut rencontrer et recevoir qui veut, c'est juste qu'il est confiné sur place et que les rencontres ont lieu sous les yeux vigilants des soldats romains. En même temps, comme les soldats viennent souvent de bien loin et ne parlent pas forcément hébreu ou araméen, on peut parler librement. Donc le jeune homme raconte à son oncle ce qu'il a entendu. Et Paul fait aussitôt signe à un des officiers romains autour de lui et lui dit « Conduis immédiatement ce jeune homme vers le commandant, car il a une chose d'extrême importance à lui rapporter. » Le centurion prend donc le jeune homme, avance vers le bureau du commandant, le salue et dit « Le prisonnier Paul m'a fait signe et m'a prié de t'amener ce jeune homme au plus vite. Il aurait quelque chose d'extrêmement important à te dire. » Le commandant se lève en libérant l'officier. Il prend le jeune homme par la main et dit « Viens, on va se mettre un peu à l'écart pour ne pas être dérangé. » Et puis, dans une petite pièce, il s'assoit et fait asseoir le jeune homme et il lui demande « Alors, qu'est-ce que tu dois me dire ?» Les Juifs ont convenu de te demander que demain tu leur transfères Paul pour qu'il soit questionné par le Sanhédrin. Mais il y en a tout un groupe, plus de 40 hommes, qui vont dresser un guet-apens pour tendre un piège à tes soldats, mettre la main sur Paul et le tuer. Ils ont juré de ne rien manger, ni boire la moindre goutte tant que Paul n'est pas mort, et ils n'attendent que ton accord pour le transfert. Le commandant fait de grands yeux. « Attends, répète-moi ça. » Il écoute encore une fois toute l'histoire, dans tous les détails, puis il dit « Surtout ne dis à personne que tu m'as parlé de ce complot. N'en parle même pas à ta mère. Il faut que ce soit notre secret à nous deux. Et maintenant, va et retrouve tes occupations habituelles. » Dès que le jeune homme est parti, le commandant fait venir deux officiers et leur ordonne « Ce soir, à 9h, je veux voir dans la cour 200 soldats, 200 archers et 70 cavaliers.
Il faut aussi des chevaux, car vous conduirez Paul à Césarée pour qu'il soit présenté au gouverneur Félix. » Puis il s'assoit à son bureau et rédige une lettre adressée au gouverneur Félix. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, que la joie soit avec toi. Cet homme, dont les Juifs s'étaient emparés, allait être tué par eux. Je suis intervenu avec des soldats et le leur ai arraché, car j'ai appris qu'il était romain. Comme je voulais savoir de quoi on l'accusait, je l'ai amené devant leur tribunal. J'ai découvert alors qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucune faute qui mérite la mort ou la prison. Puis, ayant appris que les Juifs préparent un complot contre lui, je te l'ai immédiatement envoyé en faisant savoir à ses accusateurs que c'est devant toi qu'ils devront porter plainte contre lui. Meilleurs vœux, etc. Le soir vient. La nuit tombe. Les soldats prennent Paul et le conduisent jusqu'à Antipatris. C'est une station relais, à peu près à mi-chemin entre Césarée et Jérusalem. 200 archers, 200 soldats à pied, 70 cavaliers. Toute une armée pour protéger Paul qui, lui, est aussi à cheval. Et on peut se demander combien de soldats restent à Jérusalem pendant cette nuit. D'ailleurs, je vous avoue que j'ai un peu de peine pour les soldats à pied et les archers qui sont à pied eux aussi, car de Jérusalem à Antipatris, c'est une soixantaine de kilomètres. Ils doivent donc marcher toute la nuit en pleine armure. Et au moment qu'ils arrivent, le café du petit-déjeuner a eu le temps de refroidir. Les archers et les soldats retournent à Jérusalem. J'espère qu'ils ont pu déjeuner et se rincer un peu les pieds entre-temps, alors que les cavaliers continuent le chemin avec Paul. Arrivé à Césarée, le chef de l'escorte demande à voir le gouverneur et lui transmet la lettre du commandant de Jérusalem. Félix la lit attentivement, et puis il demande qu'on lui présente cet oiseau bizarre. Il regarde et lui demande « Ah donc, c'est toi, Paul ? Oh, on dirait que tu fais pas mal de vent. Dis-moi, tu es d'où ?» Paul répond « Je suis de la Cilicie, de Tarse. » Eh bien, on va voir ce que diront ceux qui t'accusent, en supposant qu'ils viennent me voir à ton sujet, évidemment. Et d'ici là, tu seras mon hôte, et tu vivras sous mon toit. Bon, bien entendu, tu ne quitteras pas la propriété, hein, ça me ferait de la peine. » Et la suite, dans une semaine.